le match. Bremer. Et faute. Oh, proposition. Oh, oh là 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 là. Et il n'y en a pas un qui va lui mettre une bonne tartine un jour à lui. Eh ben, c'est Mehdi Fala qui lui met. Ah, ben il va se faire exclure. Et voilà. Et rentre au vestiaire. Voilà, au vestiaire. Et puis il continue de. Il continue de. De s'en prendre à Mehdi Fala. Et c'est Ousmane Camara qui l'emmène. Et là, il l'insulte en. Hop là. Ben, je crois qu'il vient de plier le match. Ce bon Clément Prepelic. Hein, je crois qu'il vient de plier le match. Donc lui déjà, il est dehors, on ne le reverra pas. À la et puis surtout, ça va donner des lancers, la possession derrière. Alors que Limoges était en train de batailler pour revenir. Surtout qu'il y avait faute sifflée sur lui, David. Oh. Et qu'il y avait deux lancers francs parce que Chamon est dans la pénalité. Tu prends faute, d'accord, tu prends un tampon. Très bien, l'arbitre a sifflé en ta faveur. Regardez. Souffle un coup, va sur la ligne des lancers. He's out. He's out. Ouais, il prend un coup de coude, oui. D'accord, il prend un coup de coude. Allez, deux tirs pour Chalon. Deux tirs pour Chalon. Alors c'est d'abord. Il est lancé. La première technique elle tombe. Là-bas, là-bas, Valentin, et il continue. Valentin, il a quand même une bonne grande bouche, hein, Prepelic.